Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo qui va être dans la continuité de la vidéo sur aligner le momentum. On a compris qu'on ne voulait pas chercher à aligner des parties du corps vers la cible, mais bel et bien le momentum de votre swing. Alors, c'est très drôle que je vous parle de ça parce que hier je suis tombé à télé sur un film que vous avez tous sûrement déjà vu, qui s'appelle La Légende de Bagger Vance. Et beaucoup de messages qu'on explique dans Wisdom in Golf avec Sean Clement sont évidemment dans ce merveilleux film où on parle de chemin, on parle de cible, on parle de swing naturel vers une cible. Et donc voilà, quelles belles images dans ce film pour parler de tout ça. Et donc on va rentrer dans le contexte du coup qu'il a à la fin du film. Je vous dis pas tout, mais un coup qu'il doit faire dans la forêt qui est un coup très important pour lui. Et donc on va rentrer dans le contexte des effets et de sentir, c'est-à-dire avoir conscience que la cible est atteignable avant de swinger le club. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc là j'ai mis ces deux balles. On va dire que j'ai un green qui est entre les deux arbres. On va dire que mon green est au fond là-bas. Là, j'ai un fer 7 dans les mains. Donc, on pourrait dire que mon green est à 140 mètres là-bas. Et on va dire aussi que ces deux arbres, en vérité, sont juste là pour matérialiser là où je veux que ma balle démarre. Donc, si mes deux balles sont dans l'axe de l'arbre, de la cible qui est là-bas, donc de mon green imaginaire, et que je veux donc soit faire un fade, soit faire un draw, c'est-à-dire que je veux soit que ma balle parte à droite du point intermédiaire de la balle qui est devant et revienne vers le green, soit que la balle parte à gauche du point intermédiaire pour un fade et revienne vers le green. Et là, vous allez comprendre ce que veut dire ressentir que l'élan va vers la cible. Donc, on n'est plus en train d'espérer quand on tape un coup de golf que la balle aille où on veut qu'elle aille. On est en train de ressentir que si on swing vers quelque part, la balle, l'herbe et le tee, par exemple, pour un drive, va être collecté dans le chemin de notre action. Donc, on va commencer par un fade. On va dire que ma cible est donc au milieu là-bas. Je vais donc premièrement aligner le momentum en direction de là où je veux que la balle termine. Donc là, vous voyez que si je fais quelques petits perpétuels au-dessus des deux balles là, je sens clairement que je vais entre les deux arbres qui sont là-bas. Donc maintenant, on veut faire un fade parce qu'on veut que la balle démarre à gauche du drapeau pour revenir vers celui-ci. Donc je vais aligner le momentum de mon swing à gauche du point intermédiaire qui est là. Il est véritablement clair à voir que si je me mets là, je ne peux pas accéder à la gauche du point intermédiaire. Là, je vais au-dessus du point intermédiaire et là, je vais clairement à gauche du point intermédiaire. Et maintenant, je sens quand je fais ça, que si je swing vraiment mon énergie dans cette direction, l'arbre qui est là est définitivement dans le chemin de mon swing. Et lorsqu'on peut ressentir ça, on peut sentir que la cible, où là on veut que la balle démarre, est atteignable. Donc je sens maintenant que si, je ne vais pas le faire, vous inquiétez pas parce que la balle va me revenir dessus, si je swing vers cette image, ma balle va donc démarrer sur l'arbre qui est là pour fader ensuite et revenir entre les deux arbres qui sont là-bas. Donc là on arrive au takeaway. Si je démarre ici, je sens que si je laisse tomber la gravité, tout va revenir à gauche du point intermédiaire. C'est ce qu'on veut. Si je monte le club trop intérieur, ça va tomber à droite du point intermédiaire. C'est pas ce qu'on veut. Trop extérieur, ça va tomber trop à gauche. Donc là, je peux travailler mon takeaway et ressentir que si je laisse tomber la gravité, ça va vers l'arbre de gauche. La suite du backswing, ça va toujours vers l'arbre de gauche. Je reprends mon appui, ça va toujours vers l'arbre de gauche. Je release mon action, ça va toujours vers l'arbre de gauche. Donc vous sentez comme j'ai toujours la sensation de pouvoir accéder à l'arbre de gauche. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que, en tout cas c'est une perception que j'ai beaucoup avec mes élèves, lorsqu'un élève se positionne pour faire son fade par exemple ici, et que moi sur le practice, je me mets quelques mètres devant lui, c'est-à-dire à la place de l'arbre, et je lui pose la question, si tu laisses faire la gravité, est-ce que la balle va partir dans la direction où je suis maintenant? Et l'élève me dit, il faut mieux que tu bouges parce que tu vas te prendre la balle. Et bien c'est là-dedans qu'on arrive à la sensation, et surtout à la prédiction d'un coup de golf. Si vous sentez que dans votre setup, vous pouvez, sans faire d'efforts et sans manipuler, atteindre la cible que vous visez. Pourquoi manipuler le club et pourquoi chercher à bien taper la balle? Vous laissez faire la gravité pour y aller. Je pense que vous percevez le message que j'essaie de vous donner. On veut sentir qu'on a une cible, qu'on a un setup, c'est-à-dire qu'on s'organise pour y aller, et que si on délivre et qu'on laisse la gravité y aller, bien sûr qu'on peut accélérer un peu la gravité. Souvenez-vous de l'enfant sur la balançoire. Je sens que j'ai la gravité qui est en mouvement, qui va quelque part, je peux assister la gravité, ou ralentir la gravité, évidemment. Mais je ne veux pas manipuler pour le faire. Donc maintenant, si on rentre dans le contexte du draw, on va dire que ma cible finale est entre les deux arbres encore une fois, représentée par le point intermédiaire. Je vais placer la balle un peu plus en arrière dans mon stance et sentir que je peux la faire sortir à droite du point intermédiaire. Donc là, je sens que si je suis bien dans mon setup, naturellement, le momentum de mon swing va dans la direction de l'arbre de droite. Donc je sens que l'arbre de droite
est atteignable. C'est-à-dire que si je ne manipule pas, je délègue le contrôle et je délègue le contrôle, l'arbre qui est là va être dans la ligne de mon swing. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que atteindre vos cibles devient beaucoup plus simple. Et c'est pour cela que Mo Norman, dont je parle si souvent, que j'adore, vous savez, ce joueur que j'ai adoré, Mo Norman, allez voir sur YouTube, découvrez ce personnage si vous ne connaissez pas encore, M-O-E plus loin Norman. Mo Norman, qui était considéré comme un des plus grands frappeurs de balles de l'histoire du golf, disait: je ne vais pas atteindre la cible, je fais venir la cible à moi. Donc la manière, le ressenti que vous avez par exemple là de vous dire: je sens que je peux atteindre l'arbre qui est juste à côté si je me place bien. Là, je sens que je n'ai pas d'effort à faire pour que mon momentum aille vers l'arbre et donc la balle y aille aussi. Là, l'arbre est à 5 mètres de moi, mais dans le contexte du haut niveau, un arbre à 200 mètres peut devenir aussi atteignable. Donc, plus vous allez mettre un swing en relation à une image, plus vous allez être performant. Donc, il y a toujours deux ingrédients que vous devez avoir pendant un swing de golf. Il y a vous et la gravité. Il y a vous et le focus. Donc, on est toujours sur où je vais. Est-ce que mon setup match l'image? Est-ce que la gravité va vers cette image? Là, on commence à parler vraiment d'un golf pur, naturel, et de trouver le chemin comme dans Bagger Vance. Travaillez sur cette sensation, évidemment, ne tapez pas de balle parce que la balle va revenir sur vous, mais travaillez cette perception du momentum. Vous mettez avec votre petit arbre et vous vous dites: ah oui, là, je sens que sans manipuler, l'élan de mon swing va définitivement trop à gauche de l'arbre qui est là. Là, le momentum de mon swing va trop à droite de l'arbre qui est là. Là, ça va en plein dans la direction de l'arbre qui est là. Donc, si vous descendiez au niveau de la balle ici et que si vous laissez vraiment faire la gravité d'ici, la balle naturellement va être collectée ici et va partir en direction de cet arbre. Et donc, vous allez atteindre vos cibles. Travaillez là-dessus. Si vous avez des feedbacks là-dessus à me donner, n'hésitez pas. J'arrive avec plein d'autres choses à vous raconter. Je suis content de vous retrouver et on en profite.